Bonne semaine tout le monde et bon lundi. Et puis c'est journal Media qui rentre la caille nous. Et nous avons démarré avec le président de la République là, qui depuis samedi 1er juillet a annoncé le gouvernement campé sous décision pour ajuster le prix produit pétrolier. Le président Jovenel Moïse dit décision ça a vini après désaccord. La population a été exprimée par rapport à ça. Le chef de l'État dit qu'il a continué à tendre la population pendant le travail pour respecter la promesse et la campagne. Le président Jovenel Moïse t'a parlé à Nation samedi soir sur télévision nationale. Moi décidé de venir parler non c'est parce que le peuple a parlé. Moi même comme président nous te mettez sous pouvoir faut m'entendre nous. C'est pour ça nous avons décision que le gouvernement a pris pour lui retirer subvention dans affaire gaz là. Moi demandé pour le gouvernement retourner sur lui. Premier ministre, l'IFEL. Ça veut dire, depuis après-midi, gaz là, même prix lié, était avant, sous tout pays. Ça fait gaz monter, mon appelé, ça fait subvention retirer, ça parle encore. Mais, il ne faut pas oublier, là, nous finissons faire une réaction comme ça. Son action que le gouvernement pose. Action ça, son action, est-ce qu'elle était bien posée ou bien elle était mal posée? Je dis, nous avons répondu au peuple là, que la pile explication que le monde qui a dirigé nous, était supposé bon, nous ne pouvons pas être rejoints. Mais je dis, je dis, il y a deux gros décisions difficiles. Que moi prends. Gros décision. Première décision, c'est là moi mettre équipement lourd dans tout pays. Pas une direction départementale, ministère des travaux publics, qui pas un équipement qui fait route dans tout pays. Là, je prends décision, moi mettre équipement lourd dans toute direction départementale. Ministère de l'Agriculture, pour construire barrage d'irrigation, pour acquérir rivière. Même gens ça fait sur rivière Blanche, dans Gantier, sur rivière Moumance, dans Léogane, sur rivière La Digue, dans Tigouave. Même gens fin fait dans rivière Maté, dans rivière Coujol, et le pral continue de fait dans toute rivière, les lapli à Vigny, qui continuent à dénouer. Je prends une décision pour retirer mes yeux à demander au Premier ministre et bien content, moi, il fait. C'est parce que depuis nous parler, je dis toujours nous ça, je m'entendais. Parce que nous commençons, nous voyons un message à moi depuis hier soir, message à me prendre. Mais je dis à me prendre un message. Je prends, je corrige ça pour corriger. L'autre bon chef l'État a précisé l'État gagnant recevoir plus passé 30 entreprises dans appel à manifestation intérêt dans perspective courant 24 sur 24 là. Président Moïse fait connaître déjà un travail qui commençait sous réseau EDHO. Président République là renouvelé engagement pour continuer travail pour améliorer conditions la vie population haïtienne. Moi je vois un nouvel côté appel à manifestation d'intérêt pour préqualification entreprise qui décide de courant dans le pays 24 sur 24. Appel ça a fini. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 entreprises qui sont intéressées par ce pays à divisé en 10 régions pour produire courant et aider à acheter lui-même qui l'a renforcé la centrale EDH surtout, les mêmes d'office EDH comme celui qui maman Pemba. C'est lui-même qui met cause à aider à chaque lui-même, les gens là, lui-même, avec toute ça, les gens centrale, Pélig, notre centrale, les gens dans Port-au-Prince, centrale, les gens dans la province, pour comment nous pouvons le faire, pour nous faire combattre ça, pour nous retirer le pays à la fin noire. C'est bon pouvoir pour me dire, que c'est ensemble pour nous construire le pays, c'est ensemble. Pour nous construire barrage d'irrigation dans tout le pays. C'est ensemble pour nous quitter
terre rouge dans le pays pour que génération qui vient yo yo ka joindre un autre pays qu'une quitter pour vous. C'est ensemble pour nous construire route dans tout pays. C'est ensemble pour nous mettre courant dans 146 communes pays dans 572 sections communales que gagnent. Moi pas qu'à faire pour compte moi. C'est ensemble avec vous. Ou même qu'à vivre dans Port-au-Prince, ou même qu'à vivre dans ville provinciale. C'est ensemble pour nous faire. Édition Journal Midi a continué avec porte-parole présidence là Lucien Jura qui déplorait et condamné dimanche 8 juillet 2018 là Zaké Brigandaille qui enregistré dans pays a pendant week-end là pendant le fait qu'on est administration Moïse avec le gouvernement Lafontaine a prend bon gens disposition pour nettoyer la ria et puis accompagner population en une façon pour éviter situation ça yo répéter toujours d'après porte-parole là c'est tête ensemble c'est yon nan moyen kap aide peyi a pran route changement yon extrait président république là son excellent Jovenel Moïse Jean Wel te dit hier soir là par rapport à dernier développement situation dans pays d'Haïti parce que c'est pas au prince qui prend plus gros frappe là mais c'est pas seulement pas au prince parce que il y a pile l'autre région dans pays a très difficile très difficile toute instruction yo passé à autorité la police CSPN pour que vie et bien citoyen garanti pour que la police lui-même y assume pleinement responsabilité et pour que autorité dans niveau travaux publics dans niveau SMCRS dans niveau CNE et au niveau de certaines municipalités qui ont même besoin bon gens disposition de sécurité pour être capable nettoyer la rue hein, débloquer et bien principale revendication population a gagné c'était ajustement prix produits pétroliers chef l'état dans une logique de sagesse nationale et de sagesse politique li réagit rapidement par rapport à ça qui soulevé fondamentalement exprimé comme malaise et inconfort par rapport à augmentation ou ajustement prix produits pétroliers journée jodi hein, message de la présidence, c'est non seulement pour les autorités de l'État à travers la police nationale d'Haïti, à travers les organes de sécurité, la justice et la secrétaire d'État à la sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, dans ce qui concerne la sécurité, c'est tout à l'endroit des travaux publics, transports et communications, SMCRS, CNE, municipalité que vous accompagnez pour que route déblayer pour que la fumée noire mon a respiré qui très toxique route laver pour que la vie retourne rapidement ça c'est message président pour les organes de l'État concernés par la question et par rapport à la population président de la République l'État administration Moïse Lafontaine inviter chaque citoyen pour rentrer dans yo rentrer dans calme rentrer dans sérénité et surtout pour yo recommencer vaquer à occupation yo pendant que au niveau de l'État toute disposition yo prend pour que bon gens sécurité li installer pour que pompe gasoline yo recommencer l'ouvrir pour que magasin yo recommencer fonctionner pour que moun ki gen pou y al travail y al travail au niveau de l'administration publique également pour qu'au niveau du transport en commun et le transport privé et bien citoyens capables reprendre activité pour que la vie retourne pendant le gouvernement ni même l'appliquer le 100% pour que rêve population haïtienne rêve peuple haïtien pour vivre dans un pays qui est stable un pays côté que chaque haïtien a droit à la sécurité à la santé et à amélioration conditions de vie et bien capable ouais rêve ça yo vienne réalité. Yon groupe individu pillé et puis boulé yon quantité business dans zone métropolitaine là. Sorti Pétionville et passé Delma, la plaine, individu sa yo pote aller tout ça qui était sur route yo. Maquette, l'hôtel, magasin, appareil électronique avec la banque pas épargné en bas dégâts sa yo. Poko gen évaluation qui fait sous dégâts qui enregistré pendant week-end qui sont passé à nos pays. N'a pas vite au suivre. Oh,
nous t'a permis de suivre sur l'écran télévision images et écrasées brisées qui t'ont gagné pendant le week-end, que ce soit dans Pétionville, Delma ou bien la Plaine. Et cependant, dans la ville au Cap, situation t'est paraître différente. Pas de gain en pile difficulté pour machines et circuler. Équipe télévision qui t'a fait déplacement, pas de constater tout que Mounio t'a gagné en pile difficulté pour t'a évacué avec occupation yo dans différentes zones que nous t'es passé dans le département noir et spécialement deuxième ville PIA qui c'est ville au Cap et c'est image ça que vous regardez sur télévision nationale actuellement là dans journal média n'a pas rappelé que c'est image deuxième ville PIA que n'a montré comparativement à image en vent qui était image capitale là côté nous t'as fort ouais image que ce soit Zak Briganday qui était gagné Pétionville Delma ou bien la Plaine. Et je nous dis dans le texte là, ou après dans ville au Cap, moto, machine, et même si pas de grand pile machine qui tape et circuler, mais moto, machine et population en tout tape vaquer avec et occupation yo, normalement dans la deuxième ville pays. On va continuer avec le président République la Jovenel Moïse qui était gain avec lui première dame République la Martine Moïse qui visitait plusieurs zones avec plusieurs commissariats et puis point fixe dans Port-au-Prince Delma et Pétionville dans la nuit et dimanche 8 pour l'ouvrir lundi 9 juillet. Chef l'État dit lui mander direction générale PNH là pour le prendre toute disposition pour établir l'ordre avec la paix et puis permettre activité reprendre comme ça doit dans le pays. On va vite suivre yon bout nan intervention président République la Jovenel Moïse. Pays a pas qu'à n'encraser brisé. Et m'gon qui ça nous représente. Et nous ouais ça que ça passe. Et moi, passe instruction formelle à au commandement police, direction générale là, pour que la paix, sérénité et sécurité retourne dans le pays. Mais je me dis, je instruis pour recommander la police dans la direction générale là, pour que la sérénité retourne dans le pays. Pour que l'ordre de la discipline, nous-mêmes, nous disons, nous sommes un corps d'intervention et de maintien d'ordre. Nous connaissons l'ordre là, c'est ça que je dis. Et stabilité politique, là, je me dis, qui est le premier des biens publics, pas un pays sous la terre, pour qu'on parle de sens stabilité politique, pour qu'on parle de développement là-dedans. Ça me souhaite, là, dans Delma 32, un petit machin qui vient devant moi, qui a crié, qui dit, mon président, monsieur, vous voulez battre moi. Il n'y a pas petit. Il y a un monde qui vont battre pour le fonds commerce, et puis des assassins qui vivent, vous voulez. Même gens, vous voulez vos business, nous, ça se passe. Sur Delma, il n'y a pas personne qui est exempt dans ce que je veux dire. Je dis, je dis, auteur. Côte à commandité ça que se prévé, la justice, il y a pour jouer rôle. Ministre justice, commissaire gouvernement, c'est pour poursuivre Mounsao jusqu'à dernière rigueur. Et nous-mêmes nous disons, dans le niveau de l'État, nous prenons décision pour que mon commission interministérielle qui monte, pour que le problème ça nous adresse, parce que Mounsao, qui perdit tout à fait, prend, depuis dans le bac machin, qui perdit le bac, pour arriver juste dans le plus grand nègre. Qui fait du gros business dans tout le monde, ça, c'est des business qui ont fait pour être capable de prendre responsabilité de la famille. C'est journal mi-temps journée que vous avez suivi sur la télévision nationale d'Haïti. Il fait l'heure pour une première pause. Nous tournons tout à l'heure. On a pour démarrer le journal là avec Mairie Delma qui mettait matériel dans plusieurs zones dans la commune là pour ramasser fatra et puis retirer pancarte et barricade une façon pour permettre activité yo reprendre dans Delma gagner plusieurs monde et dans population qui saluer travail ça que mairie lui-même li tamen dans la commune là jodi a et côté gagne plusieurs matériel que yo mettait disponible à travers différents quartier et dans la commune là pour commencer nettoyer, ramasser fatra, laver la rue, retirer barricade qui était dans la rue pour permettre la vie à reprendre dans la commune d'Elma, activité continuer à reprendre normalement et Jean Notab Djolia gagner en pile monde dans la population qui salue et travaille ça.
matériel dégagé, vous le connaissez, mettez flotte dans la rue et tout le matériel serait là, pompiers et compressif, camion bascule et tracteur, juste pour nous capables à ce niveau maintenant. Parce que on a une ville de Coudelma, pas obligé de sale dans l'Italie là. Et de toute façon, matin, il choisit de mettre l'équipe dans la rue juste pour nous capables de commencer à déconjonctionner l'espace pour nous capables d'évacuer l'occupation. Toujours dans le cadre des reprises d'activité dans la capitale, il y a un aéroport international Toussaint Louverture. Activité reprend lundi 9 juillet. Toutes les lignes aériennes reprennent vol. Il y a une situation qui la cause embouteillage dans l'aéroport. Les gens qui partent et qui rentrent saluent la décision qui prend pour l'activité reprendre pendant qu'ils souhaitent des dispositions qui prend pour garantir la sécurité de la population. Travail et caravane changement a continué dans le département Niplan. Actuellement, travaux publics et a travaillé sous construction route et anneau en Savoie pour entrer l'asile. Route ça a débouché sous commune Vieux-Boudaquin. Député Arnaud en Savoie, Wilner Guerville, dans l'intervention qui a accordé à la télévision nationale d'Haïti, mandé population pour collaborer avec l'équipe qui sous place qui a fait travail ça, yon façon pour changer figure département. Traverse a fait dans coupe 3e section Mokou avant localité Wachmiel. C'est une zone qui est difficile pour population qui vivent dans commune Anou en Savo. Construction route ça pour aider dans désenclavement commune nan, et puis connecter en Savo avec Anou, l'asile avec Vieux Boudaquin. Député Arnaud en Savoie, Wilfried Guerville, dit ça c'est une différent travail et lui a entreprendre pour développer commune nan. Li fait connait collaboration population dans zone important en pile pour travail si la yo abouti. Il y a trois facteurs pour un pays développé, c'est route, c'est de l'eau, c'est l'électricité. Et nous commençons avec route là et nous manquons l'électricité là pour entrer dans de l'eau. Ça veut dire nous dit peuple là, camper avec gouvernement Tek Kalea, camper avec gouvernement Jovenel Moïse. Député Guerville, collectivité yo, nous sommes seuls pour avancer. En kembe avec ingénieurs, opérateurs, chauffeurs. Donc moi, je kembe au coût et je demande aux populations kembe au coût tout, même si j'ai une volonté pour qu'ils puissent volonté toujours. Et je dis à la population capable à vivre avec Zélie, l'a constaté, côté que non seulement doté département Niplan ou équipe matérielle, et c'est équipe matérielle ça yo. Pour la première fois côté que je viens entamer le processus de travail là, c'est la route en Savo qui mène nous à nous. Et ça que vous apprenez sur toute route, sur tout visage de la population, vous apprenez que non seulement vous marchez en masse, mais vous apprenez tout le monde comme grand monde et cheveux blancs, tout content. Parce que vous machine qu'on fait moi dans la route, l'on dit là après fin tomber, mais je dis là, je suis capable de vous apprendre son boulevard. Donc je pense que le gouvernement et Moïse Lafontaine, donc la font bon travail à travers le pays. En Savo, c'est un autre arrondissement département NIP. Les gens là-dedans, l'asile, Titrou de NIP, Plaisance du Sud, à Arnaud. Amis téléspectateurs, journal et mi-temps journée arrivé dans Boutli sous télévision nationale d'Haïti. Merci à vous-même qui t'a suivi. Merci à tout le monde qui t'a participé dans la production, la réalisation. Et nous quittons sous quelques images et la rue Delmas.